à l'ange de l'Église. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermi. Le reste qui va mourir. Et tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi des choses que tu as reçues et entendues. Garde-les et reprends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi, un voleur, et tu ne sauras pas à quel point. Toutefois, tu as quelque peu à ça, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, car ils sont. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ici c'est l'Apocalypse, ça vient du grec apocalypse. Tout simplement, ôter le voile, d'accord? Le voile, c'est un peu comme un mur, d'accord? Nous avons ce mur-ci. Donc, si nous qui sommes de ce côté, si je vous pose la question de savoir, est-ce que vous pouvez me dire, décrire des choses qui sont à l'intérieur de l'autre côté? Personne ne le saura. Si ce n'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette capacité-là de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ici, c'est un livre qui a été écrit par l'apôtre Jean. C'était un disciple de Jésus. Et que tu faisais partie des 12 qui avaient été choisis par le Seigneur pour perpétuer son ministère. Parce que le ministère, il appartient à Christ. Hein. Il est le véritable apôtre, le véritable prophète, le véritable évangéliste. D'accord. Et comme dans les jours de sa chair, il était limité en Palestine, et la volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, ça passe par l'annonce de l'évangile. Et pour cela, il suscite des hommes, d'accord. Il suscite des hommes et des femmes qu'il donne le mandat, qu'il revêt, il donne un aspect. Pour rendre témoignage, à la vérité. Et Jean, durant son parcours ministériel, il va sous Dominicien. Nous sommes en l'an. C'était un roi méchant. Il voulait l'adoration en fait. Il voulait qu'on l'adore. Donc, il a mené les chrétiens de son époque à blasphémer, donc à régner le Seigneur. Et Jean va se retrouver, parce qu'il était apôtre, il était à la tête, ce sont les pères fondateurs, hein, à la tête des assemblées, et il va se retrouver emprisonné sous le règne de cet homme-là, le règne dominicien. Il est sous une île à Patmos, dans les chaînes. Et c'est là qu'il va... bon, on peut dire que quoi? Est-ce que le Seigneur l'avait abandonné? Parce qu'on est des êtres humains. Mais comment est-ce qu'il y a des gens qui ont, à son époque, peut-être même les membres de son assemblée, ceux qui étaient avec lui, certains avaient démissionné, ils auraient dit, mais non, l'apôtre est en prison. Tout comme quand il y a eu l'arrestation du Seigneur. Il y a tous les apôtres, tous les disciples qui étaient avec lui, y compris Jean lui-même l'avait abandonné. D'accord? Donc, il faut comprendre que les gens qui sont souvent à vos côtés ne sont pas forcément de votre côté. D'accord? Donc il faut que chacun puisse vraiment forger sa relation au point où, même s'il arrive que tu te retrouves seul, ben, les voies de Dieu. D'accord? Parce que c'est pas pour le salut, c'est quelque chose de personnel. Et Dieu peut permettre qu'on soit seul parce qu'il y a un enseignement. Il veut nous donner. Il a isolé cet homme pour lui montrer quoi? Des choses qu'il ne connaissait pas. Peut-être qu'il ne pouvait même pas penser sur
était l'Église. Aujourd'hui, quand on parle d'Église, les gens disent, ah oui, l'Église, tout le monde est croyant, tout le monde applaudit, tout le monde est de Dieu. Donc il va voir. Donc le Seigneur va lui montrer l'Église de Sardes, donc la situation spirituelle, l'état spirituel de cette Église. Et il va dire, écris. D'accord? En prison, il a... Lesquels on peut être, ne peut pas empêcher le Seigneur de se servir de nous, d'accord, même en prison, parce que la Bible nous dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça veut dire que même si je suis dans une prison physique, mais en fait je suis libre parce que j'ai l'Esprit de Dieu et Dieu va permettre ça. Peut-être qu'il y a des prisonniers qui ont besoin d'entendre. Ils ne sont pas mis à crier. On dit Dieu Seigneur, mais comment on essaie, on est des vrais enfants de Dieu, comme certains chrétiens, quand ils sont confrontés à de la difficulté. Alors que la Bible nous demande de rendre grâce à toutes choses. C'est Dieu qui conduit nos vies. C'est le Seigneur qui conduit nos vies. Alors, il est le guide suprême. Que tu nous parles du bon, le bon berger, en fait. Il nous conduit vers les verts pâturages. D'accord? Les pâturages de la justice, de la vérité, de la sainteté. C'est le bon qui nous conduit. C'est lui qui détermine le chemin, les chemins par lesquels tu dois passer pour arriver à l'objectif qui s'est fixé pour ta propre vie. Donc, ce n'est pas à l'homme de marcher, ce n'est pas à l'homme de conduire, ce n'est pas quand il marche. Je crois qu'il y a un passage dans le livre de Jérémie, à lui, hein, qui le dit. Ce n'est pas à l'homme de. Le diriger, ce n'est pas quand il marche. C'est le Seigneur qui doit conduire nos pas. On doit marcher. C'est quelqu'un qui a la suite de maître. Il suit le Seigneur. Alléluia. Amen. On vit dans un monde vraiment, c'est très dangereux, c'est rude, c'est brutal. Et il faut être fondé, il faut être enraciné, il faut être établi dans la parole de Dieu si tu ne veux pas qu'on ait des surprises. D'accord? Il faut être fondé, établi dans la parole de Dieu. Ça doit éviter des surprises. D'accord? Gloire à Dieu. Alors, ici, il va voir une réalité qu'il ne connaissait pas. Peut-être cet apôtre, tout le monde était chrétien, tout le monde était de Dieu. Mais là, il nous est dit ici, l'église de Sardes. Sardes, c'est une dénomination. D'accord? Et dans cette ville-là, il y a des gens qui avaient confessé Christ. Ils avaient donné leur cœur au Seigneur. Donc, et voici donc, il dit, écrit. À l'homme de l'église, de l'assemblée des Sardes. Un ange, je ne sais quoi. C'est le messager, en fait. Écrit au messager. Au messager de Sardes. Celui qui était censé apporter la parole à nous. Et voici ce que dit celui qui a les sept esprits. Oui, les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Parce que tu as le nom de vivre. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant et affermi, le reste, tu vas mourir. Donc ici, Jean. Cette église, et on voit que ces messages, ce n'est pas des messages uniformes, d'accord? Ce n'est pas le même message. Quand vous lisez les lettres aux sept églises reçues par l'apôtre Jean, on voit que ces messages-là sont des messages qui sont contextualisés. D'accord? Le Seigneur envoie un message en fonction de l'état dans le cœur, parce qu'il connaît le cœur, il connaît la situation de l'église. Donc il ne va pas. Imagine un peu une église qui passe par la souffrance. Le Seigneur ne va pas donner à cette église. Elle est en train de souffrir. Elle a besoin d'être fortifiée, consolée. Donc le Seigneur va envoyer un message de consolation. C'est comme ça.
Il ne va pas lui dire, voilà, peut-être il faut commencer à aller prêcher la prospérité. Donc on voit, les messages sont, c'est des messages qui sont diversifiés, qui sont contextualisés. C'est pas, on ne peut pas aujourd'hui, les messages dans nos églises, surtout ceux qui fréquentent les dénominations, quand un homme de Dieu est appelé par le Seigneur, il crée un système où c'est lui qui devient comme le Saint-Esprit pour dicter aux gens, un peu comme aux Romains, tous les messages qui sont prêchés dans les religions catholiques, comme ce dimanche. Ça vient de Rome. C'est Rome qui fait le calendrier. Et ça se prêche partout. C'est envoyé aux Les cardinaux vont transmettre ça aux archevêques, les archevêques, aux évêques, aux prêtres. Et c'est prêché, c'est comme ça. C'est pas la conduite de... C'est parce que ce que l'Église de France peut vivre présentement, c'est pas la même chose que l'Église du Gabon, l'Église de... Tu vois? Oui, l'Église de... Donc le Seigneur va envoyer un message. Donc on voit, c'est des messages qui sont diversifiés. Tu vois, ce n'est pas le même message partout. Donc Dieu parle, le Seigneur parle au cœur de l'Église. Dieu veut parler à nos cœurs. Il dit, il révèle à cet apôtre qu'en fait, tu vois, il y a des chrétiens qui peuvent se passer pour des vivants, des gens qui sont vivants, la vie. Ont brûlé même des prophéties et des dons. Hein. On peut être séduit et dire que non, mais vraiment, il y a Dieu dans cet endroit, il y a Dieu dans cette conférence. Mais il dit, ils sont morts spirituellement, ça veut dire qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Par leurs œuvres, le Seigneur. Organisant les conférences pour le Seigneur, jeûnant et priant, mais leurs œuvres ne témoignent pas qu'ils appartiennent à Christ. Et ici, il y a ces deux, c'est des groupes de personnes dans la même église. Dans la même ville, la ville du Sable, il y avait ces deux groupes de chrétiens. Il y avait certains qui passaient pour être vivants, mais ils étaient morts spirituellement, mais pas à vie du Seigneur. D'accord? Et il y avait une autre catégorie. Une catégorie aussi qui n'avait pas, il dit ces gens-là n'avaient pas, une vie de souillure en fait. Le reste qui va mourir, donc c'était déjà prêt à mourir spirituellement, c'est-à-dire on peut être vivant spirituellement, on est mort spirituellement, car je n'ai pas devant Elohim, souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues, garde-les et repens-toi, sinon tu ne veilles pas. Je viendrai comme un voleur, c'est-à-dire ne préviens pas de cette manière au moment où on n'attend pas, et tu ne sauras jamais contre toi. Hein? Donc les gens qui parfois ils ont donné des dates, ils spéculent sur les dates de la venue de Christ. Le Seigneur a dit, personne ne connaît ni les jours ni l'heure, ni les anges qui sont dans le ciel. Seul le Père seul. Donc Jésus, homme, ne connaît pas. Quand le Seigneur m'a dit qu'il va venir en telle année. On a vu des gens, je crois que j'étais au Cameroun, c'était en 2000, où ils avaient annoncé la fin du monde et les gens, ils allaient. Au lieu de se repentir, les gens, ils allaient, ceux qui aimaient les alcools, ils allaient dans les bars, ils disaient, je vais aller boire ma dernière bière. Ouais, il y a des gens qui ont dépensé tout leur argent comme ça. Ils allaient, ceux qui aimaient les femmes, ils allaient dans des bordels. Tu vois un peu, donc c'est terrible. Donc, et voilà, donc, alors il dit, comme toi, tu as aussi, Assad, un petit nombre de noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en blanc parce qu'ils sont dit, ce
celui qui remporte la victoire, celui qui vaincra sera donc. On voit ici que dans cette même ville de Sade, la ville de Montpellier, il y avait deux catégories. Il y en a certains qui étaient morts. Hein? Quoi qu'il se passait pour des vivants, mais c'était des églises qui étaient complètement mortes. Alléluia. Ils avaient fait naufrage, nous dit, par rapport à la foi. Donc, ce n'est pas des gens qui comptaient plus sur le Seigneur. L'apôtre Paul va donner ce conseil à Timothée en lui disant le but du commandement, c'est l'avoir une bonne conscience, garder la foi. Quelques-uns ont fait naufrage. Il y a des naufragés de la foi. Mais ils sont dans les assemblées. Quoi qu'ils confessent Christ. La foi, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. Dans ce que Dieu dit. Ce n'est pas une confiance en toi-même ou dans ce que toi-même tu as envie dans tes propres réalisations. La confiance en Dieu dans ses promesses. Donc, c'est des gens qui ne comptaient plus sur Dieu. D'accord? Ils comptaient sur eux-mêmes, sur leur propre force. Sur leurs propres moyens pour arriver à leur fin. C'est des gens qui sont capables de se déshabiller, de se mettre nu pour obtenir une promotion, pour obtenir, je ne sais pas moi. Les choses de ce monde. Alors, il dit celui qui vaincra. Donc, on voit il y a une dimension de notre vie ou notre destinée qui exige. C'est quoi le combat? Parce qu'on parle de vaincre, ça veut dire qu'il y a une lutte. Il y a un combat, chef et soeur, que nous aurons à bénir. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, 2 Timothée 4, 7, 8, 9, par là, il dit. Il dit, c'était presque à la fin de sa vie. Hein. Il disait que ma vie sert de libation. Libation, c'est quoi? C'est un sacrifice liquide, en fait. Il dit, ma vie sert de libation. En fait. Une offrande, c'est une offrande en liquide. Et il dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la cause. J'ai gardé la foi. Et que désormais, une couronne de justice m'est réservée par le Seigneur, le juste juge, il me la donnera, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux-là qui auront aimé la promesse de sa venue. Est-ce qu'on aime la promesse de sa venue? Est-ce qu'on est enthousiasmé le fait de savoir que le Seigneur va venir nous chercher? Vous savez, quand un homme, donc l'Église, elle est l'épouse de Christ, d'accord? Quand tu as ton mari là, dans un autre pays, je vous le dis parce que je l'ai. Et qu'il y a des démarches qui se font, je vais venir te chercher, je vais t'épouser. Donc on brûle parce qu'on a envie de s'unir avec la personne qui est de l'autre côté, je vous assure. On a envie, on veut avoir des nouvelles. On est en communication, on peut parler à deux heures. Quand tu as ton mari et ton fiancé. De l'autre côté, tu ne comptes même pas les heures que tu restes au téléphone. Même l'argent, parce qu'à l'époque, oui, les dépenses téléphoniques et tout. Avant, c'était les cartes. On utilisait les cartes. Hein. Oui, oui. Oui, je suis quand la carte est même s'arrête parce que tu veux rester en communication. Tu es obligé, tu sors 23 heures. Je sais que j'allais souvent à la gare. Ma carte épuisée, j'allais à la gare. Donc, c'est. Et tu es en feu, tu sais que la personne va venir. Tu vas arranger le chez toi, parce que tu veux que la personne se sente bien. Vraiment, c'est. Tu veux voir cette personne. Parce que tu veux t'unir avec cette personne. D'accord? Donc, c'est comme ça. Donc, je crois que le plus grand projet que nous avons, c'est pas les choses de la terre hein, que le Seigneur nous donne, les choses de la terre, c'est nous unir avec le Christ pour l'éternité. C'est pour cela, c'est la promesse de sa venue, c'est la plus grande des promesses qui nous est faite dans les Écritures. Au-delà du mariage, promotion, percée, les choses de la terre, à lui, hein, on peut les avoir en dehors du Seigneur. Hein, les païens, ils ont ces choses-là, ils se marient sans Dieu. Hein. Ils n'ont pas Dieu, ils se marient. Ils n'ont pas Dieu, ils créent des entreprises. Donc, on peut avoir ces choses en dehors du Seigneur, d'accord?
Mais nous, c'est vraiment c'est un privilège parce que en plus du Seigneur, il nous donne ces choses et on n'a pas à rentrer dans la compromission. D'accord? On ne fera pas de compromissions en fait pour avoir ces choses. Parce que c'est le Seigneur qui nous les donne. D'accord? Alors, il dit. Combattu le bon combat. Il dit, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc, parce qu'on peut combattre et être vaincu, d'accord? Ici, on voit qu'il a combattu, il a achevé la course. Et il a pu garder sa foi, en fait. Donc, ça dit qu'il y a une dimension de notre destinée qui exige le combat. Il y a une dimension de notre destinée qui exige la course. Parce que l'objectif, c'est de garder la foi, en fait. Et on peut où on peut commencer une course, achever la course, mais ne pas être qualifié pour l'épreuve suivante. D'accord? Ne pas être qualifié pour l'épreuve suivante. D'accord? Donc pour moi, il vous faut, comment il y a un combat. Et le combat que nous avons à mener, comme on a vu, on parle de combat spirituel. Les gens combattent. Oh. L'apôtre Paul dit dans Hébreux 12, 4, que vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang, ou lutté jusqu'au sang contre le péché. On peut lire le passage là. Hébreux 12, 4. Non, laissez les sorciers tranquilles, s'il vous plaît. Ils sont sous nos pieds. Les Ce qui attire les démons, c'est le péché. Tant que tu seras dans le péché conscient, les démons vont venir. Et ça sera même voulu par le Seigneur. Le Seigneur va lâcher les démons. Il va lâcher les sorciers pour qu'ils te combattent. Parce que tu ne veux pas obéir. Tu peux lire ça. En effet, celui qui a supporté contre lui-même une telle afin que vous ne vous lassiez pas étant découragé par vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Donc ici, le plus grand combat qu'on sait contre le péché, résister jusqu'au sang, c'est-à-dire que jusqu'à la mort. La vie de la chair, là, ça doit disparaître. On fait place à la vie. D'accord? Donc voilà, et c'est ça, c'est une vie de combat, c'est une vie de lutte. Israël lui-même, ce n'est pas des combats. Et des luttes qui sont rentrées dans les promesses de Dieu. Il y a des choses qui peuvent vous empêcher. Ce n'est pas parce que tu as confessé Christ ou que tu es né de nouveau que maintenant tout va se mettre. Les promesses de Dieu vont se réaliser. Dieu. Sinon, tu vas rester sur la terre et ta grâce de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie ne servira à rien du tout. Tu vas continuer à souffrir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, parce que tout, le Seigneur a tout accompli. Et c'est par la foi qu'on rentre dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a celui qui vaincra. À celui qui vaincra, il est dit ici. Il dit à celui qui vaincra. Sera revêtu de vêtements blancs. Le blanc, c'est le symbole de la sainteté, de la pureté. Et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Mais je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Celui qui vaincra, c'est la condition pour que notre nom ne soit pas effacé du livre de vie de l'agneau. Si j'ai un thème à donner à ce message, c'est le pouvoir de l'écriture. D'accord? Dans la Bible, il y a. C'était un économe. Et le, je parle de l'économe prudent. Et ce roi-là l'avait loué. Parce que, tu m'as dit, mais, donc, il était informé qu'on devait
enlever l'administration. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais, mendier, je ne peux pas, j'ai honte. Travailler le sol, ça, ce n'est pas ma tasse de thé. Alors, comme il y avait des gens qui avaient des gens qui devaient beaucoup d'argent, certains devaient 100 000, d'autres 50 000, il est allé voir ces personnes. Il a dit, tu dois combien? Il dit 100 000. Il a dit, bon, écris 50. Le pouvoir de l'écriture. C'était l'économe. Il a réduit sa dette. D'accord? À certains, il a annulé. Donc celui qui avait 5 ans, il a annulé vers ça. Parce qu'il disait que si jamais, quand je serai en bien. Quand on va me démettre de mes fonctions, ces personnes à qui. Oui, ils pourront m'aider. Et le roi a loué cet homme en disant qu'il était prudent, en fait. Et il est dit. Parce que les enfants de ce siècle sont plus avisés que le sont les enfants du royaume. Donc celui qui a le pouvoir. Celui qui a la capacité, celui qui a le pouvoir de t'élever, il a la capacité de t'abaisser, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Donc celui qui écrit notre nom là, Seigneur, par l'encre de sang, il a écrit notre nom, mais si on ne se conforme pas, si on refuse de se conformer à sa parole, il a le pouvoir d'effacer notre nom, il écrit la parole. Du livre de vie de l'agneau, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, c'est à nous de rester dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Quand on lit le livre, par exemple, d'Apocalypse 20, c'est le jugement dernier, les morts qui rendent. Ils meurent à mer, ils sont mangés même par des poissons. Le jugement à venir, il y a certains même qui disparaissent, ils sont dévorés par des animaux. Féroce dans la forêt, on ne retrouve pas le corps. Tous ces corps-là, le jour du jugement. Ces corps-là vont réapparaître. De ses œuvres. Et que tu nous parles des livres, dont il y avait des livres qui sont ouverts, et il y a un autre livre qui est le livre de vie de l'agneau. Et ceux qui n'ont pas le nom inscrit dans ce livre de l'agneau, ils sont jetés dans les temps de feu. Alléluia. Donc l'enfer ou le lac de feu, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Hein. Qu'on voyait un peu, il y a les prisons dans le monde naturel. Certains sont en prison, d'autres sont libres. C'est pareil aussi dans le monde. C'est nous qui devons tenir ferme. Alléluia. C'est nous qui devons tenir ferme face aux difficultés. Même les difficultés ne doivent pas nous amener à renoncer. Au Seigneur dit non, mais j'ai trop souffert. Ou les faux enseignements des pasteurs. Parce que chacun sera jugé. Tu ne vas pas accuser un pasteur. Un pasteur qui t'a prêché des mensonges et tu ne t'es jamais opposé. Tu as seulement gobé toi en disant. Est responsable devant le Seigneur et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour avoir la victoire sur les faux enseignements, chers frères et sœurs, sur le péché pour refuser les mauvaises propositions. Nous avons le Saint-Esprit et le rôle du Saint-Esprit, c'est pour ça en fait, pour refuser les mauvaises choses, hein? Les choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire dans un beau 10-39 là que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. D'accord? Pour quelque raison, tu ne dois pas te retirer. L'apôtre Paul ne sait pas. Il dit que j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc il faut garder la foi, quelles que soient les situations difficiles. Tu dois pas te décourager. Parce que même, il y a des chrétiens qui peuvent te pousser au découragement. Hein? Parce qu'ils n'engagent pas l'œuvre, tu dis, ben si eux ils n'engagent pas, moi aussi je veux. Non, je ne suis pas le mal à lui, hein. Je ne suis pas le modèle, c'est Christ en fait. Hein. Si les gens veulent autour de toi continuer à pécher, tu n'as pas à les imiter. Parce que tu ne dis pas au Seigneur que, mais oui, mais puisque bon, les gens ils se compromettaient autour de moi, moi aussi. Non, c'est comme ça. Donc toi, tu, ô homme, on t'a fait connaître ce qui est juste ou ce qui est droit, c'est dans le lieu de Michel, ce que Dieu veut ou il attend de nous. Ce que nous marchions à mouvement, que nous pratiquions cette justice-là. Il nous a impliqué la justice, c'est pour qu'on marche dans sa justice. C'est pour qu'on vive dans sa justice. À lui soit toute la gloire. On va prier Dieu vraiment qu'il nous donne la force d'avoir des vies totalement soumises à lui. Hein? Et quand on est enfant de Dieu, on est racheté pour servir, pour être au service du Seigneur. Alors on est esclaves de Christ, des esclaves libres en fait. D'accord? Gloire à Dieu, merci Seigneur, Père, merci encore pour ce matin, Seigneur, ta parole, c'est la vérité, Seigneur Dieu, Père, et tu es là, tu nous parles, Seigneur,
puissamment dans nos cœurs, agis puissamment dans nos vies, que la puissance de ton esprit soit l'œuvre de Dieu, que le Saint-Esprit continue à bâtir l'homme nouveau. Seigneur, détache nos cœurs des œuvres de la chair, des appétits du monde. Seigneur, le péché, Seigneur, qui nous environne si facilement, tu veux que nous résistions mal. Seigneur, qu'on ne se soumette pas, qu'on ne brade pas notre salut. Mon Dieu, mon Père, pour quelque raison que ce soit, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous prions vraiment de nous visiter, visite cette assemblée. Nous voulons être une assemblée qui vit dans la crainte de ton nom, une assemblée qui vit dans le respect de ta parole. Seigneur, tu détruis les appétits du monde et les appétits de la chair. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, ravive la flamme du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, que les œuvres de la chair ce matin, dans ce lieu, soient consumées au puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donne-nous de rentrer dans notre appel, Seigneur Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, donne-nous comme Paul de combattre ce bon combat. Seigneur Dieu, Père, d'achever le concours en gardant la foi. Seigneur, la foi véritable, la foi qui est établie dans la promesse de ta venue, Seigneur Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Tu souffles ce vent nouveau. Tu chasses la confusion, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Embrasse-nous, affermis-nous, remplis-nous, remplis nos cœurs de toi, Seigneur. Remplis nos cœurs de ta vie, Seigneur Dieu, Père. Que le monde et ses attraits n'ont aucune prise dans notre vie, au nom de Jésus, que nos vies donnent gloire à ton nom, Seigneur. Je veux t'adorer.